DMTV Info, votre chaîne d'information en temps réel. La politique, la santé, le sport, les faits de société, la musique, les rumeurs et bien plus encore. Vous découvrirez cela dans notre chaîne DMTV Info. Vous êtes sur DMTV, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Tout plaisir est pour nous de vous retrouver, mais surtout de savoir que vous êtes nombreux en train de suivre votre chaîne YouTube DMTV. DMTV qui vous propose l'actualité, vous propose également des analyses et des réflexions sur des sujets d'actualité, sur des faits sociaux, tout simplement sur des réalités que nous observons ici chez nous en République démocratique du Congo. Oui, c'est parti pour ce match. Tuna qui est là, qui décale son coéquipier. Et c'est centre, la tête de Namboka Beni, l'avant-centre. Cette déviation d'Assim en beauté avec Katembo qui accélère. Mais Katembo qui ne s'est pas contrôlé sur ce coup. Et pourtant, c'était une très belle déviation de la part de l'avant-centre en beauté Assim. Katembo, Assim en beauté. Attention avec cette frappe de Pazi Moulaba. La tête des Mbemba. Attention Katembo Louviala. Makengo. Pazi Moulaba. La frappe de Pazi Moulaba. Trop appuyé mais pas cadré. On voit la frappe de Pazi Moulaba. Pate Wombe Wachudi et trouve un Tsona Kinkela. Tsona devant Bemba. Tsona la frappe de Tsona Kinkela. Le gardien Kassoua McQuay qui s'est allongé pour empêcher carrément ce ballon de Tsona Kinkela. Zanga Malamou avec Tsona Kinkela. Attention Tsona qui perce. Tsona il trouve Zanga Malamou. La frappe de Zanga. Namboka Beni qui tente cette bicyclette et c'est la mi-temps ici au stade de Martyr. Zoro Bipart Pate Makengo pour le nouvel entrant Akwe Abi. Akwe au centre d'Akwe Abi. Attention Palvi et la frappe, ça passe à côté et cette frappe qui passe à côté. Palvi bien servi au point de pénalty mais n'a pas pu bien positionné à son tir, on a pu bien calculer le but de Iloubé à Bobito, le gardien du Céleste Football Club. On y voit bien servi d'abord ce démarrage d'Akwe Abi. Il faudra Samuel pour modeste avec Akwe Abi, un entrant ancien joueur des Racing Club de Kinshasa. Le centre d'Akwe Abi. Attention à ce ballon qui traîne dans la surface et la frappe des Katembo Louviala. Le centre de Tsona qui est là. La passe de la tricotée. Le centre, la tête de Namboka Beni. Le ballon est accepté par le pied magique de Goy Gavayou, le capitaine des Célestes. La belle passe du Luga Chibanda, il trouve Vigas, Vigas dans la surface. Oh, zéro pour les oranges de la capitale. Et pour les chiens de Batka. Vodacom Ligue 1, le FC Renaissance du Congo doit encore attendre pour enregistrer sa première victoire de la saison. Les Oranges de Kinshasa ont été battus hier au stade Martyr de la Pentecôte par la formation du Céleste FC sur le score d'1-0. C'était leur deuxième match du championnat.
eux qui avaient fait match nul d'un but partout face à la formation de Kouyaspor lors de leur dernière sortie, n'ont donc pas réussi à battre la formation de Celeste FC. Victoire donc de cette formation de l'Équateur grâce à Bomola Migas qui a marqué le but du match à la 78e minute de la partie. On écoute la réaction du coach Pichu Manza de la formation du FC Renaissance du Congo qui parle de cette longue période d'attente quand même après le premier match joué face à l'AC Kouyaspor, cette période qui a entamé le moral de joueurs. Nous avons pêché au niveau de l'entrée-jeu, il y a moins de récupération des balles, on n'a pas vraiment beaucoup créé dans notre entrée-jeu, c'est ça qui a fait que Celeste a eu le monopole de l'entrée-jeu, il a contrôlé le jeu et puis il a profité de notre déchet, donc il a concrétisé sa réalisation, donc c'est un match de football, c'est une compétition de haut niveau. Tout ça se joue dans des petits détails. Donc moins de rire, ça paye cash. C'est ça qui nous a causé l'échec des matchs d'aujourd'hui. Depuis qu'on a joué les premières journées, on a fait au moins 2 semaines et demie encore sans pourtant jouer. Ça nous a handicapé aussi au niveau physique et puis au niveau mental des joueurs. Mais on va continuer peut-être à travailler pour voir les prochains matchs contre Rangers. On va faire de notre mieux pour rattraper les bêtises d'aujourd'hui. Voilà, c'était là le coach de la formation du FC Renaissance du Congo, Pichu Manza. La formation de Celeste a enregistré sa 2e victoire de la saison après la victoire d'un but à zéro contre, plutôt 2-0 contre la formation de JSK. On écoute la satisfaction du coach Michel Kigoma. J'ai béni Dieu parce que tout simplement, n'était sa présence aujourd'hui, alors ça a été très très difficile. On a rencontré une très bonne équipe, une équipe qui malheureusement n'a pas beaucoup de compétition. Si elle avait beaucoup de compétition, ça allait être très difficile encore. Sincèrement, j'ai dit grand merci à Dieu. Et les secrets, il n'y a pas de secret, il n'y a que le travail. Nous avons commis des erreurs la fois passée, on a perdu des vagues, une équipe qui était prenable. Mais cette fois-ci, on a essayé de corriger aux entraînements et puis voilà. On a pu marquer un but, on a su se les garder. J'ai béni. On s'entraîne, hein? On s'entraîne. Voilà, c'était là le coach de la formation de Celeste FC, Michel Kigoma. Celeste, justement, grâce à cette victoire, a totalisé 7 points après 5 matchs joués et occupe la 9e place au classement de la Vodacom Ligue 1, alors que le FC Renaissance du Congo compte 1 point et occupe la dernière place au classement. Avant ce match entre Celeste et la formation de Renaissance du Congo, JSK s'est imposé devant Étoile du Kivu sur le score d'un but à zéro grâce à Mbomou Disasi qui a inscrit l'unique but du match à la 89e minute. JSK, grâce à sa victoire, totalise 8 points après 5 matchs joués et occupe la 6e place au classement de cette Vodacom Ligue 1. Et oui, c'est parti pour ce match entre la JSK et l'Étoile du Kivu. Le milieu défensif de l'Étoile du Kivu, attention Ousseini Kiza, il touche son coéquipier. Et quel bon travail d'Ousseini Kiza. Les ballons de Kalemba capté par les gardiens, mais à l'extérieur de l'aire de jeu. Et cette déviation, voilà l'occasion peut-être pour la JSK de bien combiner et de conclure de la plus belle des manières, mais la conclusion n'est pas du tout bonne. Likombe Yoko, l'accélération de Likombe à toute vitesse. Qu'est-ce qu'il est bon, Likombe qui tire dans le soupirail. C'est le centre de Kambanginama, la tête très mal ajusté avec cette frappe directement chez Bitutala Vandia à mi-temps ici au stade des Martyrs. Et 0 but partout et l'entrée de Mbomou Disasi. C'est joué, c'est Kantawichi Lubanga et Yoko Likombe. Et Yoko, la talonnade de Yoko est ouverte, c'est Sekam Tawiti. Ce centre de Sekam Tawiti, directement sur le gardien de l'Étoile du Kivu, Kambale Kuro. Mbomou Disasi, le bon geste de Mbomou, il trouve Sekam Tawiti Lovanga. Lovanga qui n'a pas pu bien cadrer ce ballon. Quelle occasion manquée par Sekam Tawiti Lovanga. La médiation, le ballon pour Tenda. Tenda, le nouvel entrant, qu'est-ce qu'il va faire? Le centre est Tenda. Avec les gardiens qui dégagent. Et c'est pressing haut de la JSK. L'enchaînement, la claquette
Nick Malekivo, le joueur de l'étoile du Kivu. Likombe, la frappe de Likombe est captée en deux temps par le gardien de l'étoile du Kivu. Balabeda, la patte de Balabeda pour Guichaba Kajika en retrait de Moudissassi. Et le but de la JSK. Moudissassi qui marque son deuxième but de la compétition. Puis la percée de Balabeda qui décale Guichaba Kajika. Et ensuite la passe en retrait de Guichaba. Moudissassi qui place très bien. Il a eu le temps de bien méditer avant de conclure cette action. La faute. Donc un rouge pour Lifaka. Ah oui, c'est Lifaka Mossamete qui avait déjà un carton jaune. Avec son deuxième carton jaune, Lifaka est expulsé. Il regrette énormément Lifaka Mossamete. La déviation. Tenda qui renvoie la lax. Oh, la tête! Heureusement pour la JSK, le gardien, mais tout à l'heure était très bien positionné. Notre changement en gestation côté JSK. Et c'est la fin de cette explication. Avec cette deuxième victoire de la JSK dans cette 28e édition de la Volacom. À Lubumbashi, il y a eu un nul de 2-2 entre Lubumbashi Sport et Dauphin Noir. Poeto et Lomboto ont marqué 2 pour Lubumbashi Sport en première mi-temps, mais les Kamikazes se sont fait rejoindre au score en deuxième mi-temps après les buts de René Kalombo et Titi Mambouma, respectivement à la 65e et à la 68e minute pour la formation de la S Dauphin Noir. Lubumbashi Sport est désormais 7e au classement avec 8 points après 7 matchs joués. Lubumbashi Sport, justement, c'est l'équipe qui a joué le plus grand nombre de matchs depuis le début du championnat. Demain, la Sekouya Sport va matcher la formation de l'Étoile du Kivu au stade des Martyrs de la Pentecôte. Ça sera à 15h30. À l'entente provinciale de football de Kinshasa, des matchs se sont joués dans le groupe A hier. C'était pour le compte de la 6e journée. Au terrain, Oujana Saint-Christian a fait jeu égal d'un but partout contre Roby. Iseka a battu Kratos sur le score de 3-0. Fonac s'est imposé devant Seforbel sur le score d'un but à 0. Quito a battu Nyukanon sur le score de 2-1. Au terrain de la police nationale congolaise, Monzo s'est imposé devant Oujana sur le score d'un but à 0. Match nul des 0 buts partout entre Pioui et Agi Vainqueur. Les As se sont imposés, et plutôt se sont inclinés devant les gars sur le score de 2-0 au classement. Fonac est en tête avec 14 points, Execo avec Monzo et les gars est troisième avec 11 points, même nombre de points que la formation de Iseka qui arrive en quatrième position.